Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc pour la petite finale entre les Cognitive Red et les SK Gaming pour la troisième place des championnats du monde. Plus de 300 000 $ pour celui qui remportera cette petite finale. Allez, on part tout de suite donc dans les pics et bans, toujours commenté par Madjack et moi. Ouais, ouais, et donc là on est parti pour la phase de pick et ban pour cette petite finale, donc pour jouer la troisième place. Alors les top gods, ben, c'est ce qui va être pick, hein, du Thor, Serket, Nemesis en jungle. Ah bon là on a Nox du peut-être. Nox aussi en mid avec Ra évidemment, Agni. Donc là voilà, on est parti sur des bans classiques, on bat Sylvanus et Osiris de SK Gaming, on empêche le Osiris des Connective Raid, donc de Divios, et les Cogred ont répondu par un ban d'Aokwong pour empêcher Zeroes de jouer Aokwong et Serket. Donc ils bannent deux dieux de Zeroes. Et donc du coup les SK Gamers ont répondu en prenant le meilleur jungler après ça, enfin un des meilleurs junglers du jeu, c'est Thor. Thor, et puis c'est fort sur Zeroes, et puis ça contre un peu d'Argaz, il faut pas lui laisser. Du côté des Cognitive Raid, on va aller chercher Agni pour The Bush. Ça y est, il repart sur un pic plus traditionnel. Ouais. Il quitte son Chronos et son Poséidon qu'il avait préparé pour ce tournoi. Il part sur Agni, et on aura Athéna pour Eonic. Alors, ça, c'est plutôt rare. Donc en fait il prend aussi Agni pour empêcher Captain Drake de jouer à Agni. Donc on va voir. Donc ils ont pas ban de midliner, donc il y a encore Rad open, il y a Janus d'open. Ah. Donc là du coup Divios va prendre son Hercule hein, vu que Osiris a été pris. C'est voilà. Son deuxième choix. Voilà, c'est vraiment la méta Warrior hein, comme on disait. Et Bakasura qui est ban pour contrer l'assassin de maniaque, très clairement. Il aime beaucoup Bakasura. Ouais. Il va devoir partir sur un Warrior, a priori aussi. Je pense bien évidemment à chaque pour lui. On aura du côté des SK un Ymir qui est récupéré pour Badga. Ça, c'est un peu étonnant. Et Apollo pour Riggs. Ça, c'est l'un de ses main picks. Du côté des SK Gaming, on réfléchit. Ils peuvent ban un autre jungler. Ils peuvent ban Nemesis, et il décide de ban Kali. Je pense que c'est un bon choix parce que Nargaz avait, comme je le dis, un peu révélé Kali. Personne ne l'a joué avant qu'il la sorte, et depuis maintenant, c'est devenu un pick classique en jungle. Donc ici, Dargaz, il lui reste pas 50 milliards de choix, il lui reste Unbats, qu'il aime beaucoup. Il peut partir sur Bastet aussi, qui sont et ça va être un bat, ça va être un bat, ça fait plaisir, c'est la première fois. Dagarz va nous sortir, donc le Garz nous sort Umbats. Donc là voilà, ça va être la première fois qu'on voit Umbats dans ce tournoi d'ailleurs, non? Donc c'est intéressant, c'est un jungler qui est vraiment très très fort, il a vraiment du gros contrôle, c'est un gros monstre. Mais il n'a pas un late game si monstrueux que ça par rapport à une Kali, Nemesis oui, Kali, Nemesis, comment. Moi, je le mettrais à côté de Thor. C'est voilà. un jungler qui a un gros contrôle, utilitaire, qui est fait fort des en dégâts. Teamfight, qui est pas forcément. Bon, qui fait quand même extrêmement mal. Hein, si vous lui mettez Tabi de Guerrier, Colère de Jotun, Condamneur, vous faites quand même très mal. Et du côté des SK Gaming, on va aller chercher une Aphrodite solo lane, une maniaque qui contre toute attente, part sur un ouais, mage en solo lane et Vulcain. Qui sera joué mid. Donc voilà. Et on termine par un Anuur du côté des Cognitive Red pour Snoopy. Snoopy, voilà, Snoopy qui va partir sur Anuur. Railzix qui aura son Apollo. Donc là, ça va être un duel au sommet pour au niveau des ADC. Oh là là, on a Induman qui stream avec Scott Gandhi. Ouais, Scott Gandhi. C'est bien, Induman et Gandhi quoi, ensemble. C'est beau, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Alors, la finale sera vers 20h environ, normalement, sur la TV1. On sait pas si c'est 20h, 20h30, s'ils vont avancer. Donc, restez bien évidemment avec nous pour voir justement l'évolution et si cette petite finale va être en 3 games, 2 games, ça dépendra peut-être, ils avanceront. Ouais. Donc voilà. Des choix de Dieu différents, on a vu ici un Ymir pour Baga, on voit un Vulcain pour Captain Twig pour gêner Snoopy qui aurait pu le prendre en Hunter, Aphrodite en solo lane. Que penses-tu? Oserais-tu, toi, sortir Aphrodite contre les Cognitive Red quand tu sais qu'ils vont jouer Hercule plus Sunbat? C'est délicat parce qu'en plus ils sont Order Side, donc là je suis quasiment sûr que les Cog Red vont invade. Ils vont invade et ils vont essayer de prendre le buff bleu à cette Aphrodite. Aphrodite plus Thor contre un Hercule plus. Ah, je remets le son, c'est parti. Contre un Umbat Hercule, ils vont se faire invade, c'est sûr et certain.
Et on est parti pour la première game de cette petite finale entre les SK Gaming et les Cognitive Red. On retrouvera donc les SK Gaming en bleu en bas de votre écran contre les Cognitive Red en rouge en haut de votre écran. On aura donc Vulcain sur la mid lane joué par Captain Twig, Mania qui jouera Aphrodite en solo lane, Zeroes qui jouera Thor en jungle, Badgat qui jouera en gardien Ymir et qui se portera Ryx qui jouera en Hunter ADC Apollo. Du côté des Cognitive Red, Divios en solo lane avec Hercule, Dargaz qui jouera Unbats en jungle, The Bush sur la mid lane avec Agni, Eonic qui jouera Athena en gardien et enfin Snoopy qui jouera en Hunter, mais ADC Anur. Tu dis Dargaz à chaque fois alors que c'est Dagarz. Dargaz, Dargaz. Non c'est Garz, en fait son pseudo c'est Garz mais il a rajouté un Da pour faire un peu, enfin un Da. C'est son, en fait le pseudo original de Garz c'est, enfin, c'est Garz, c'est pas d'accord. Il n'y a pas de R à chaque fois. Bah, j'ai l'appelé Garz maintenant. Oui bah oui voilà. Non parce que ouais, c'est vrai tu dis Dargaz. Alors que le pauvre il s'appelle Garz. Oui. Ah, c'est une habitude que j'ai pas. Oui, bah oui, ouais, c'est clair, il faut que t'as pris l'appli. Et là... donc on va voir comment ça se part, comment ça commence plutôt. Mm. On a Unbats qui check un petit peu ce qui est en train de se passer sur les mid-RP de, des SK. Mm. Et il a commencé à la tour, Captain Twing. Oui, il a commencé. Hop, donc là, bah oui, classique, hein. La toile est vraiment très forte hein, pour. Alors est-ce que les Cogred vont invade? Non, ils invadent pas, alors c'est étonnant. Pourtant une Aphrodite, ça s'invade facilement. Hein. Ah parce qu'en fait, oui, d'accord. Aphrodite est partie sur une Beads et une Hog en fait. Alors voilà, comme tu le disais, hein, les mages partent sur une Hog, hein, et donc Aphrodite Hog, hein, c'est un petit peu particulier. C'est très particulier. C'est pour ça qu'ils n'ont pas invade, ils ont vu que Aphrodite avait la Hog du coup. Et donc du coup là, Zeroes est parti faire son raid tout seul en fait. Zeroes qui fait son raid tout seul parce qu'il a gardé sa main des dieux tout simplement, donc il peut faire son objectif tout seul. Du côté des SK Gaming, on a Counter le damage camp des Cogred, bien joué, c'est une habitude. Quand vous faites votre première wave tranquille et sur la deuxième, vous vu que vous avez de l'avance, vu que vous avez commencé au mana camp, vous pouvez aller prendre le buff de l'équipe adverse. Mmh, tout à fait. Donc là, Umbats qui était parti beaucoup plus tôt aussi fort de la solo lane pour rotate. Ah, est-ce qu'ils vont contester? Non. Est-ce que ça va se battre sur le speed buff? Non, on dirait pas. Il y a une rotation de Vulcain pour aider Zeroes à faire son speed qui n'est pas contesté. Sur la mid lane, on a Agni et Umbats qui en profitent pour push et farm. Umbats décale. Il n'avait pas de main des yeux, Hercule. Moi, non, pouvait pas. Hercule est parti sur un heavy hammer contre un match et c'est plutôt normal. Ah, et ouais. Ça rotate beaucoup. On va surveiller le level 3 sur Unbats, 3 sur Agni, alors que Vulcain est 4 et Thor est 3 également. On a quasiment fait toute la jungle, voilà, toute la jungle a été faite du côté de Thor. Du côté de Bats, il reste les deux petites harpies avec les petites harpies qui viennent de Ropop, de gauche et de droite. Et on push la mid lane. Thor est avec Vulcain pour défendre. Du côté ADSK Gaming, cette lane, on a Unbats qui est 4, Agni qui est 4 également. Les auto-attaques, on voit hein, que logiquement Hercule se met devant, Lastid généralement en premier face à une Aphro. Vaut mieux jouer de manière safe pendant les 10 premiers levels et après c'est quasiment intuable une Aphrodite. Oui, enfin cela dit, là, on n'a pas vu, mais elle s'est fait Earthbreak et push, enfin hein, je l'ai vu sur la map, Aphrodite, ça s'est fait push. Le Frostbreeze pour contrer un petit peu, on met l'auto-attaque. Elle peut mourir, hein. D'ailleurs il y a... En début de partie, oui, c'est pour ça que je disais, faut juste jouer. Non mais même au level 10, hein, je veux dire, Hercule, ça fait quand même très mal, ça fait des gros dégâts. Je croyais que Zeroes allait venir ganker le Hercule, mais non, il fait ses petits camps, il farme tranquillement. Il n'y a pas vraiment de recharge de kill là pour le moment. Du côté des Cogred, on a fait le back juste avant les premiers repop des mid-harpy. Regardez, on le voit ici hein, sur la carte, les mid-harpy vont pas tarder à repop, ça c'est tout simplement un chronomètre. Et elles vont repop, à gauche c'est fait, Unbats, Agni, Athena, Anur sont là pour les récupérer. De l'autre côté, c'est Zeroes qui est en train de les soloter. Donc là, le dash taunt, ce qui force la beads de Captain Twig, le Desert Fury qu'on a touché deux fois seulement hein, sur les 8, comme on l'a indiqué. Hein. Et très bon backfire, hein, le backfire qui permet, c'est un sort qui fait des dégâts mais ça permet également de se repositionner pour éviter des skill shots, c'est à ne surtout pas sous-estimer. C'est très très fort, hein, c'est ce qui donne un petit peu une force à Vulcain, hein, parce que sinon il serait facilement gankable. Mais le backfire lui permet justement de dodge certains spells au dernier moment, c'est bien placé, c'est vraiment très très efficace.
Donc du coup, on est toujours à 0-0. Ce qui est plutôt étonnant. Enfin, il faut dire que le fait que Aphrodite ait pris une Hog a dissuadé probablement les Cograd d'Invade. D'ailleurs, c'est la force de Cograd, hein. C'est donc cet Invade. Les deux se trollent au back, un petit peu. Ils disent je vais back, tu vas back. Non, non, il cherchait à back, mais il s'est dit je vais prendre la wave avant. Ah! Non. Ouais, il avait pas la mana, il avait juste la mana d'un Driving Strike, il savait que ça ne suffirait pas pour la tuer. Il va back aussi du coup. Voilà, Maniac a préféré prendre l'XP de cette wave avant de back. Alors il y a un choix de deuxième actif sur Aphrodite. Il y a eu un choix, il n'y a pas encore de choix d'actif. Si, regardez, méditation, téléport. Ouais, il repart sur sa méditation, Divios. C'est pas bête. Hein. Il peut rejouer de manière très agressive cette Aphrodite. Il va nous refaire un Hercules super tanky, intuable. Comme il l'a fait dans la première game contre les Cognitive Prime, où ils avaient gagné justement. Après, une ruine divine sur Aphrodite, ça pourrait se faire, pour essayer de contrer un petit peu le soin. C'est vrai, oui. Et après, malédiction, ils auraient du mal à la caler quelque part, la malédiction dégénérative, parce que sur un Emir, on va prendre un Blink, un Flash, quasiment obligatoirement. Alors que du côté d'Eonic, on peut prendre une malédiction dégénérative pour contrer cette Aphrodite. Bah, c'est ce qui avait un peu coûté la game au Cog Prime, la première game, hein, c'est qu'ils n'avaient pas de Weakling Curse. Le Driving Strike qui passe, ça fait de bons dégâts, on met le 3, on se prend le back-off, ça permet de se sustain. Le Kiss. Attention. Bon. L'ultimate d'Athéna. Avec l'ultimate d'Athéna. Ça va retomber, l'ultimate et c'est le kill. Et Divios qui une nouvelle fois arrive c'est à beau, prendre ça. Un kill contre ce contre son vis-à-vis grâce à Athéna. Quand Athéna retombe, au moment où elle se téléporte, elle a un ultimate un peu comme celui de Shen. Elle inflige des dégâts dans la zone et Aphrodite était dans cette zone malheureusement. Et c'est pour ça qu'elle a pris très cher le Driving Strike pour se repositionner. Il a repoussé, il est pratiquement en train et de... c'est le kill. Oh là là, incroyable ce qu'est capable de faire Divios. C'est, ouais, voilà, c'est monstrueux, un Hercule, c'est très très fort. Déjà contre Aphrodite, Maniac savait qu'il était plus ou moins mort parce qu'en fait, il a fait encore son Earthbreak et c'est super dur à placer l'ulti d'Aphrodite sur Earthbreak, hein, c'est quasiment instantané. Donc du coup, il sautille un petit peu, il n'osait pas trop reculer parce que s'il reculait, il se prenait le Earthbreak, parce que Divios le rate rarement. Et s'il avançait... L'ultimate de Unbats qui est claqué, le Noxus sur Renfire qui enchaîne un stun sur Abadga, mais c'est un Ymir, c'est un bon caillou glacé, il tanque bien. Ouais, non, bah, c'est Ymir happy, hein, Ymir costaud. Mais non, ce que je voulais dire pour Aphrodite et Divios, donc c'est que Aphrodite est vraiment dans une sale posture parce qu'elle avait plus son heal, elle avait plus son back off, et si elle restait à portée, elle prenait des tartes dans la gueule, et si elle s'éloignait, elle se prenait le Earthbreak qui la ramenait sur lui. Donc du coup, c'était vraiment délicat. En plus, l'Athéna avait ulti sur Divios pour assurer le kill. Enfin, c'était vraiment très très bien joué. Franchement, une très 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 belle action de Divios. Oui, Divios, hein, qui déjà prend le large sur la solo lane, 4700 gold contre 4000 bientôt pour Aphrodite, donc 700 gold d'avance contre son vis-à-vis. C'est incroyable l'avance qu'a pris Divios en 1 contre 1. Il va complètement la... Il va la zoner là, enfin non, peut-être pas. Si, hop, oh, c'était juste. Hein. C'était juste, ça a failli passer. Le kiss qui passe, il se venge un petit peu maniaque, mais il faut qu'il fasse attention. À bout de range, hein, il était vraiment pratiquement hors de portée, mais ça touche. Maniaque qui va avoir un sale quart d'heure, hein, voilà, jusqu'au level 12-13, il va devoir subir la colère de Divios. Ouais, très clairement, Aphrodite, généralement, on essaye de ne pas mourir, c'est le but, et de farm le mieux qu'on peut. C'est un perso qui scale énormément. Dans le late game. C'est, voilà, son importance elle est dans le late game. Par contre, le combo Aphrodite-Umbat, je suis pas convaincu. Aphrodite-Thor, c'est pas vraiment le meilleur link qui soit, mais peut-être qu'il va link créer le Ziggs justement avec son Apollo. Oui, comme à l'ancienne époque, Aphrodite-Artemis, protéger Apollo. Et pourtant, on n'a pas mis trop de coups sur les tours, ça push pas trop. On zone autour de cette Gold Fury qui n'a pas encore été envisagée. On va regarder l'achat des Colères des Dieux sur Ymir. Voilà, Ymir là. Enfin, il a son flash également. De l'autre côté, du côté d'Athéna, on a la Colère des Dieux et il va partir sur une coquille d'absorption et non pas une malédiction dégénérative. Pourtant, il joue contre une Aphrodite. Étonnant, parce que la malédiction permet de retirer les soins de 100%. Donc, si vous voulez, Aphrodite est un perso qui peut soigner efficacement ses alliés. Si vous le lancez au bon moment, Aphrodite ne soigne pas avec son Love Burn et ça permet de contrecarrer un peu un des skills d'Aphrodite, justement.
Tout à fait, mais la nage jusqu'à Fedivioscière, hein, avec l'absence de Weakening Curse, l'a rendu intuable hein, dans cette première game contre les Prime. Je comprends pas pourquoi l'ASK se dispense d'une Weakening Curse aussi. Bon, faut dire qu'Ymir il est obligé d'avoir son ouais. Blink, hein, sinon c'est perdre de son efficacité. Et la coquille d'absorption s'explique donc sur Athéna pour pas contrer Aphrodite, mais justement la coquille va permettre à encore plus, ça va être ulti sur Adivios, plus coquille d'absorption sur Hercule, ça va être un Hercule incroyable. Voilà, comme tout à l'heure, donc là voilà Hercule, oh, voilà, il est super agressif, hein. Il essaye, il sort vraiment de la démolir. Oh là là, et l'ulti Athéna qui va être kické, ça est le 2 contre 1 et c'est le kill qui est pris à l'ultimate d'Eonic quand il retombe. Le Airshaker qui n'est pas à max range, donc il fait pas extrêmement mal le dunk de Thor sur Athéna seulement. Le mur qui a été un petit peu raté, mais c'est le kill qui est pris par Zeroes. Heureusement, je préférais que ce soit Zeroes qui le récupère que Badga avec son Frostbite. Bien joué, Divios qui a failli s'en sortir. On a vu qu'il a dodge le Frostbite de Ymir et heureusement qu'il y avait Badgat pour aller récupérer le kill ici. Et c'est 3 à 1 pour le moment en faveur des Cognitive Red. On n'a pas un énorme avantage, 857 gold, ça va à 10 minutes de jeu. Les SK sont encore dans la course, mais Divios met une énorme pression sur Maniac en solo lane. Attention, il y a un hard combo qui se fait là. Magma Bomb qui ne changera rien, qui a été oh, bien pizz. Oh, le mur qui sauve de Ymir, oh. Mais le Desert Fury qui touche. Deux fois je crois Captain Twig. Et c'est le kill qui est pris par Snoopy. Il y a une tentative de Gold Fury sans doute. Après ça on va voir Ymir qui est dans la zone. Non, on a juste check. On va aller faire le damage camp. On préfère pas tenter le diable avec une Gold Fury. Ymir est encore en vie. Il a un flash. Faut se méfier hein, des gardiens adverses qui peuvent voler en sticky avec une belle intervention, une Gold Fury. Et je suis étonné de l'absence de jump, de disperse agressif, l'impale derrière, histoire de montrer qu'il est le plus fort ici, Snoopy. Je suis un petit peu étonné de l'absence de la rotation de RealZix avec son Apollo. Il aurait pu peut-être intervenir avec son ulti. C'est vrai. Peut-être qu'il farm, il essaye de farmer tranquillement. Donc là, voilà, Nur essaye. Snoopy fait pull la Gold Fury. Il pull un petit peu l'SK, il cherche à les bait un petit peu. Le Noxusium qui ne passe pas parce qu'il a utilisé sa purification. Et la Gold Fury qui a été reset, donc plus d'immune contrôle sur ce Thor. Il a encore son ultimate. Enfin, il en a encore s'il place son ultimate. Oh, ça s'est battu là pour un. Oh, oh, le Frostbite. Le Frostbite, linké à la Magma Bomb, linké au Frostbite. Et c'est le kill qui est pris par Captain Twig. Très bien joué. Et c'est l'inverse. L'ISK qui récupère à kill le dunk de Thor sur Athéna. Seulement, dommage qu'il n'arrive pas à toucher cette acne, même si l'aller-retour passe du Mjolnir. Et c'est le kill pris par Zeroes. Zeroes qui est bien plus impactant avec Thor qu'avec Kali. Ça fait plaisir de le revoir sur ce pic. Voilà, on s'attendait à la rotation de Divios avec Hercule avec son combo. Hein. Encore avec l'ulti Athéna. Le Earthbreaker qui n'est pas passé parce qu'il était sous Undying Love d'Aphrodite. Et qui Aphrodite rend invulnérable. Et c'est bien joué de la part de Maniac. C'est son intervention qui sauve son midlaner car il a immunisé Vulcain au Earthbreaker d'Hercule. L'Undying Love vous rend immune au contrôle et également invulnérable. Donc ça dure très peu de temps. Mais si vous le placez au bon moment, vous pouvez sauver l'un de vos coéquipiers. Et SK qui là prend la Gold Fury. Hein. Et comme à leur habitude, hein, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire malheureusement contre Titan. Oh, la bonne sérénade de Rix qui permet de s'en sauver. Un joli joke avec une belle sérénade derrière pour vraiment... Heureusement que la magma bombe ne passe pas pour le réveiller instantanément derrière. Et c'est les Midarpi qui sont récupérés et les SK Gaming qui, à contre toute attente, viennent de passer devant en kill et devant au gold avec maintenant 1500 gold d'avance. Bien joué de la barre des SK Gaming. Les Européens se réveillent un petit peu après ces débuts difficiles pour Maniac sur sa solo lane. Il est resté confiant et concentré, il a sauvé son mid laner. Et Zeroes qui là se réveille un petit peu, il s'est tellement fait flamme. Que 245 spectateurs. Bah, c'est Smite. Je crois qu'en plus il y a d'autres. Il y a d'autres streams en France. Il y a d'autres streams français, donc ça sépare un petit peu les spectateurs aussi. Hop, le Lovebird. Sauf que là, Aphrodite a fait une breastplate, hein, donc vraiment le bon item à faire. Et Bon, les dégâts qui sont mis. Ouais, là ils essayent. Hein, voilà, ils ont dit bon, Divios, t'as fait le malin au début, on va essayer de te mettre une fessée. Oh, le Umbats. Ça rebondit. Non, il ne décide pas de se téléporter. Il faut savoir que le Monkey qui lance avec Sacred Monkey, il peut se re-téléporter sur une cible. Donc c'est vraiment très fort.
Et ça peut lui permettre en fait, de se réapprocher. Il a un jump, il a ça. Donc en fait il a deux sorts qui permettent de se déplacer facilement. Bon ici duel de support hein. Bien évidemment ils ne vont pas s'entretuer et Onyx s'amuse à le faire son combo quand même pour lui répondre. Mais difficile de se tuer. Très bon Tectonic Rift. Et c'est le kill qui est pris par Maniac au Lovebird. Bien joué. Le Lovebird est un dot. C'est également un soin. Et c'est le Lovebird ici de Maniac. 6-4. Décidément les SK Gaming font du bon travail. Même si Divios en profite pour forcément prendre la tour. Ce qui gêne pas à mon avis trop Maniac. Puisqu'il n'aime pas vraiment la phase de lane. Contraire que il essaye de le contrôler quand même. Le Kiss. La Tectonic Rift qui n'est pas passée. Là je pense qu'ils vont pas essayer de trop s'attarder pour le tuer. S'ils essayent, bon ouais, non, c'est compliqué sur toi, de toute façon il a la méditation. Là les SK, voilà, les SK sont en train de reprendre du poil de la bête. Ils ont eu un début de game difficile et ils sont en train de montrer qu'en teamfight peut-être que Maniac individuellement c'est un petit peu fait avoir par Divios, mais en termes de teamplay la Athena a aidé quand même Divios. Il était quand même en 1 contre 2 le pauvre hein, Oui mais bon, il faut savoir que quand on joue contre Athena il faut partir du principe qu'elle peut venir ulti. Et donc on est parti sur une itemisation classique hein, sur Aphrodite, botte de concentration, plastron de valeur. On a les 40% maximum de temps de recharge. Du côté de Thor, on est parti tabit de guerrier, colère de Jotun. Vulcain a, comme son ami Pretty Prime, il part sur du full glass canon, Captain Twing. Il part livre de tas de bottes de mage. Comme tu le disais, ça va faire mal. C'est un Vulcain qui peut faire très très mal en late game s'il part sur la même itemisation que le Vulcain de Pretty Prime. Bah tout à fait, ouais. Bah, de toute façon, Vulcain c'est du glace canon ou rien. Hein. Je veux dire, s'il commence à ne pas faire beaucoup de dégâts, bah, il perd son efficacité. Il a le backfire pour éviter les gros dégâts. Si jamais il se fait focus, bah, au pire, il peut prendre un Aegis. Vulcain il est parti sur Beads et. Qu'est-ce qu'il a pris avec Main des Dieux. Main des Dieux. Non, Vulcain. Ah, Vulcain, pardon. Il a pris Beads. Et, mais il me semble que c'est un Aegis. C'est un Aegis, ça serait logique, hein, c'est ce qu'on prend généralement le plus souvent sur les mages. Là je vois pas avec le cooldown. Et oui, normalement c'est un Aegis, hein, je fais pas de bêtises. Oui, c'est un Aegis à droite et à gauche c'est l'Egide. Bon. À droite c'est le Beads et à gauche c'est l'Egide, la première Egide en voilà, donc c'est pour ça on a du mal à la reconnaître. Ah, surtout que contre un Hercule et un Agni, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, ça vous permet de temporiser. Même Anur, ça temporise le Desert Fury. Hein. Ouais, c'est un bon choix. Puis c'est généralement le choix qu'on voit le plus sur les mages. Oh, Divios qui court après Athena malgré son pool de PV. Ah, il a claqué sa. Oh là là, il a claqué sa méditation. Il avait plus de mana, donc Maniac s'est avancé. Et là, Divios a claqué sa méditation. Il est full mana. Il est en train de la chase. Il a mis le kiss, mais est-ce que ça sera pas suffisant? Le dash taunt, le confond. Il est slow. Purification, le Earthbreaker, bien joué de la part de Vulcain, belle intervention. On a claqué la coquille défensive de la part d'Athéna. Ça protège. Ils y vont. Le backfire, l'ultimate de Unbats. On retourne sur Aphrodite qui est quasiment qui n'a plus de mana. Et c'est Vulcain qui va en pâtir avec l'arrivée de Ymir qui fait un bon Frostbite, mais ça ne suffit pas pour protéger Captain Twig, le midlaner des SK Gaming. Et maintenant ça taunt. Va être Aphrodite. Est-ce que les SK ont bien fait d'y aller? Et le Renfire qui va venir à bout de Maniac. 7-6, c'est vraiment une game serrée. Les raids repassent devant avec à peine 60 gold d'avance. Donc rien oui, du tout. Là, Divios a forcé quand même les SK à counter gank. Enfin non, à ganker plutôt, parce que Divios faisait du 1v1. Le dash confond d'Athena, le Noxusum Renfire qui passe, la Flame Wave également. Zeroes qui perd un tiers de ses PV, un peu plus même. Attention derrière le Mjolnir pour s'enfuir de Thor, on sait jamais. Et c'est la T2 qui tombe de la solo lane. C'est la première T2 qui tombe. On notera que les Cognitive Raid n'ont encore perdu aucune tour, alors que les SK en ont perdu 2. Et celle du mid est pas très très en forme également. Absolument. Donc là du coup les SK repassent un petit peu derrière, hein, c'est dommage. Ils avaient donné un petit peu le ton de la partie, c'était eux qui dominaient là. Il y a une très bonne réponse des Cognitive Raid. Avec vraiment donc ce Divios qui agresse Maniac et qui est obligé, qui force Thor à ulti, qui force Athena à ulti. Les trois se sont retrouvés à tenter de ganker un Divios qui s'est barré au dernier moment. Il y avait même l'ulti de Vulcain, donc c'est même 4 qui est pour gank Divios. Et là les Cograd ont répondu par un counter gank, hein, donc puisque les SK ont tenté de ganker Divios. Et ça s'est retourné contre eux puisque Thor n'avait plus d'ulti, Athena n'avait plus d'ulti, donc ils se sont un peu tout pris sur la gueule et la pauvre Aphrodite n'avait plus rien, elle a dû claquer son ulti sur l'ulti de Doombats. C'était un petit peu défavorable pour les SK et les Cograd ont foncé le clou.
comme d'habitude, hein, je pense que dans la prochaine action, ça va être la nouvelle Gold Fury qui vient de repop il y a une minute à peu près, et qui va être donc très importante pour les SK, on le sait, ils jouent beaucoup là-dessus. C'est comme ça qu'ils ont réussi à revenir dans la game et à prendre le devant. Là maintenant, les Cognitive Red, bah, comme à leur habitude, arrivent à prendre des kills sur d'autres actions, pas forcément autour de la Gold Fury. Et maintenant, c'est de nouveau Gold Fury, donc on va voir si les SK sont capables de reprendre de nouveau l'avantage. Donc là, Divios, hein, TP Tower rond 3 et Méditation rond 3. Avec comme itemisation, donc là il a pas fait de couleur de Jotun, hein, il a pas fait de Jotun Thrash. Il est parti sur. Aïe, un petit lag de stream. Scandale! Scandale. Ouais, c'est bon, ça repart vite fait. J'ai l'impression que c'est à chaque fois, c'est pas le stream qui lag, mais c'est ce qui nous envoie comme données, donc on rate pas grand chose. Enfin, je sais pas. Et donc il est parti sur une pestilence, comme tu disais, Hercule, tout simplement pour contrer un petit peu la régénération qui est capable d'apporter Aphrodite à son équipe. D'ailleurs, Maniac part sur un troisième objet étonnant, sur une Aphrodite, un livre de Thoth. Oh, le No Fear No Evil qui renvoie complètement Riggs dans le mauvais sens, et c'est le kill qui est pris par Snoopy. Derrière, on chase le Ymir. Hercule a a priori utilisé son TP. Ils essayent d'aller chercher le kill sur Badga, car vous connaissez la chanson, on tue le gardien, on peut souvent sécuriser une Gold Fury. Donc c'est ce que veulent faire les Cognitive Red. Zeroes, Captain Twig et Maniac peuvent tenter quelque chose. Ils ont quand même un combo qui fait très mal. Un dunk de Thor, Linky, un ultimate de Vulcain. On va voir s'ils l'essayent ou s'ils laissent l'objectif au Cognitive Red. A priori, ils vont le laisser. Ouais, là, ils peuvent pas vraiment contester, hein, ces conditions-là. Et du coup, les Cog Red enfoncent un petit peu le clou et continuent de prendre de l'avance sur les SK. Vraiment un match très très disputé. On est sur du 15 kills en 20 minutes de jeu. Le dash qui force. Non, qui force pas. Oh, la beat trop tard! Trop tard de Captain Twig. Et derrière l'ultimate Undying Love pour le rendre invulnérable. Et le soigner avec le Love Burn. Bizarre, on a vu une beat un tout petit peu trop tard. Il était déjà en l'air et ça n'a pas suffi pour contrer son Earthbreaker. Et Rizix qui avait donc qui a pris son ulti pour essayer de rotate. Enfin, et il perd la T1. La T1, il a plus de mana, il a claqué son ulti, c'est vraiment dommage. Le Noxus, le Renfire qui passe. Ouais, c'est ne pas avoir de Weakening Curse contre le Hercule de Divios qui a méditation en plus de son petit jeu de, c'est complètement fou. Ouais, bah c'est leur pick qui fait ça. Aphrodite, ça joue pas malédiction dégénérative et Ymir non plus. Donc il faut sacrifier. Parfois, on voit des guêpes jouer malédiction dégénérative et se servir du roll-out pour rentrer dans les fights et non pas de blink cataclysme. Ymir, c'est encore plus compliqué parce que c'est un gros bateau, il se déplace à deux à l'heure. Ouais. Donc c'est difficile de le jouer. Peut-être ici une erreur de choix, une erreur de team, parce que c'est vrai que je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très important d'avoir une malédiction dégénérative, et parfois malédiction dégénérative et coquille d'absorption, c'est quand même assez must-have à avoir. Carrément. Et parfois une agilité céleste aussi pour l'équipe. Tout à fait. Là, c'est des actifs très importants. Là, c'était un choix à faire, et je pense que c'est l'erreur des équipes qui jouent contre les Divers avec son Hercule, c'est de le laisser comme ça. Hein. C'est de le laisser sans anti-heal. Un Hercule comme ça sans anti-heal, c'est vraiment une plaie. Hein. Puis s'il va partir, donc c'est un marteau runique. Hop, on va partir sur les mid-harpies de droite qui vont être récupérés par les raids. Ils continuent leur avance. On est pratiquement à 5000 gold d'écart. Donc c'est quand même assez élevé à 22 minutes. Une nouvelle fois, un dash confond pour essayer de forcer les beats. Je crois que Thor l'a claqué. La gaine n'est pas totalement faite parce qu'ils ont quand même le light avec Afro plus Apollo. C'est très fort. Ça pourrait faire très très mal. Hein. Surtout que Olusek, c'est vraiment quelqu'un de capable de carry sa team. Déjà sans une Aphrodite aux fesses. Encore une nouvelle fois, un dash confond, ultimate de Thor, le Fear No Evil pour protéger. Ah non, la bite n'avait pas été claquée sur Thor, sinon il aurait pas pu être brillant comme ça. Derrière le Berserker barrage, on fait reculer le Agni et le Hercule qui arrive dans le fight avec Athena. Linké, le Heartbreak Shaker qui fait pas forcément très mal, par contre ultimate d'Hercule est venu à bout de Zero. Derrière on a le combo Aphrodite, Anurk essaye de jouer à 2 contre 1, c'est compliqué, il a mis le buff jaloux en plus de jalousie sur Apollo et ça fait mal. Voilà. Et très bien joué derrière Captain Twig qui se fait choper par Dargaz. Dargaz, j'y arrive pas. Allez, Apollo, Apollo qui rate ses auto-attaques là. Oh, le Path of Flame à l'autre bout. On essaye de tenir, ils se sont split. Maniac qui se retrouve qui laisse tout, seul. Tout seul. Et elle va mourir. C'est un 4 pour 1 en faveur des Cognitive Red qui vont pouvoir sans doute enchaîner la T1 mid et peut-être le Fire Giant derrière. Oui, tout,
Tout à fait, l'Aphrodite là s'est retrouvée toute seule. C'est dommage parce qu'ils étaient bien partis. C'est juste que Rilsek ça a complètement raté ses auto-attaques sur le Agni, c'est dommage. On voit la difficulté hein, de jouer Hunter à ce niveau-là de compétition. Ouais. C'est très très dur, Hunter. Hein. Il faut réussir à placer vos auto-attaques. Et donc à ce niveau-là, même le meilleur hein, rate leurs auto-attaques, puisque un bon joke permet vraiment de se rendre très très difficile à toucher. Puis il y a la pression, le fait qu'ils étaient plus que deux de la team SK contre 4 Kograd. Hein, C'était dur. Et Divios hein, qui continue là, qui enfonce le clou, qui est level 20, alors qu'Aphrodite est level 18. Oui, c'est à voir le score, on voit que les Kograd sont largement passés devant maintenant. 1-4 pour Aphrodite, 1-4 pour Vulcain, 0-2 pour Ymir. Ezeros qui n'arrive plus à faire la différence. Il est parti bénédiction des mages pour ne pas pouvoir se faire contrôler soit par le Fiend Neuville, soit par le Driving Strike d'Hercule. Donc le Desert Fury qui passe entièrement quasiment sur Badga, ça fait très mal. Et c'est Divios qui prend le kill au Driving Strike. Badga qui s'est un petit peu commit avec son Ymir. Et malheureusement, on a besoin des gardiens. On est parti sur une... on n'a pas encore la colère des dieux s'ils veulent la prendre, Thor. Parfois, on voit les junglers également partir sur une colère des dieux pour pouvoir sécuriser au cas où le gardien est mort. Ici, il n'a pas encore fait le choix. Il ne sait pas, on ne sait pas encore s'il fera un point des dieux ou une colère des dieux. Absolument. Donc là, ils décident de faire le Fire Giant. Hein, les SK ne peuvent vraiment pas le contester. Et c'est compliqué. Apollo qui va peut-être partir Gold Fury ou Speed Push. A priori, Speed Push. Voilà, le Fire Giant va rendre Divius complètement intuable. Encore, 4% de régen. 4% de régène point de vie toutes les 5 secondes, donc vous faites le calcul, plus le 3 de Hercule, plus l'ulti Athéna, plus la coquille d'abtention, ça devient très compliqué. Ah, il a quand même fait sa jeton de brasse, hein, Divios. Un petit peu tardivement il l'a fait, mais c'est important d'avoir un peu de réduction CD sur Hercule. Ouais, pour spammer tout simplement, hein, le Driving Strike est un stun très puissant finalement et qui a été longtemps sous-estimé. Maintenant Hercule est sur le devant de la scène, on comprend quand même que le Driving Strike qu'on peut spammer très très souvent, avec une colère de jotun, tu dirais qu'on le récupère tous les combien à peu près ça? Le Driving Strike, avec la couleur de... Ouais, je dirais 8 secondes, ouais, 8-9 secondes. Ouais, donc c'est quand même très souvent, hein. Vous pouvez vraiment le spammer plein de fois dans le teamfight. La première fois, il va y avoir des bills, mais au bout de la deuxième fois, il n'y en aura plus. Hein. Ouais, tout à fait. Là, les Kograd qui ferment un petit peu, qui se préparent à faire un push sur les dernières towers de nos amis SK. On est sur du 8000, pratiquement 9000 d'écart de gold. On approche des 10000, on sait qu'à 10000 d'écart de gold, c'est très très compliqué de revenir dans un boba généralement. Et il reste plus que 2 tours, alors que les Kograd ont protégé toute leur T1 depuis le début de la partie. C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont souffert à un moment à la première Gold Fury qui avait été récupérée par SK. On a eu un retour des SK, on pensait que c'était bien parti, mais derrière les Cognitive Red ont réussi à faire un magnifique fight solo lane qui a permis de renverser en fait un counter gank monstrueux. Les SK Gaming se sont ont fait une erreur là-dessus, ils auraient peut-être pas dû essayer de gank derrière et tout simplement reculer. L'Aphrodite avait peut-être pas assez de mana. Voilà, pour c'est ça, ouais. Fight. C'est vrai, ils auraient pas dû aller. Ils essayent de poke l'Undying Love qui a été claillé donc du côté d'Aphrodite, donc elle n'a plus son ultimate. Oh, le triple taunt. Oh, l'ultimate d'Hercule qui fait très mal, le Fear No Evil, et c'est le kill qui est pris par Dargaz. Derrière, on a Ymir qui se retrouve tout seul. La coquille d'absorption magnifiquement bien claquée par Athéna avant que Vulcain, l'ultimate de Vulcain retombe, le disperse qui permet de prendre un kill. Athéna qui débarque. C'est la game, les Cognitive Red qui vont donc remporter la première game de cette petite finale en BO3 et qui vont donc prendre un sacré avantage dans cette petite finale. Ils sont à une game de la troisième place de ces championnats du monde. Bien joué à eux. Ça aura été une game très serrée, 28 minutes de jeu. Bien joué, les SK Gaming ont pendant quelques minutes repris le dessus, mais les Cogred ont mené leur lead et le mid-late game, c'était quand même bien joué de leur part. Ouais, c'était vraiment une très très bonne game des Kograd, hein, donc c'était un petit peu attendu, comme on l'avait dit. Hein, le Hercule qui n'était pas géré, qui n'avait pas d'anti, qui était devenu ingérable.
Eh ben ça a coûté, ça fait très mal. Ça a coûté la game pour les SK Gaming qui se sont laissés un petit peu dominer, dépasser. Il faut dire que Hercule plus Athéna plus la copie. C'est difficile. La solution, c'est malédiction dégénérative. Et encore, malédiction dégénérative dure que 5 secondes. Donc vous avez intérêt à le burst pendant ces 5 secondes. S'il arrive à temporiser ces 5 secondes, c'est reparti, il se régène de nouveau. Ouais. Donc là, du coup, c'est vraiment une game douloureuse pour les SK, hein, parce que surtout pour les fans de SK. Je vois que sur le chat, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour les SK, mais là. Ouais, c'est compliqué. Moi, je suis pour les SK. Ouais, moi, dommage. Je suis pour les Cogred. Mais bon, de toute façon, hop, j'ai mon ballon. Il a son ballon titan. L'officiel fan ballon Millennium fan ballon titan, hein, qui vous pourrez retrouver sur la boutique. Voilà, vous pourrez retrouver sur la boutique, hein, pour la modique somme de 99 euros seulement. On peut rire, hein, c'est soutenez les titans. Moi je vais m'en faire un, mais pour Cock Prime, désolé. Ouais, bon. Parce que moi j'ai acheté que celui à 300 euros qui est. Ah oui, la version de luxe. Ouais. Ah oui, c'est un américain, donc c'est un ballon américain. Donc voilà, donc je suis désolé, hein, pour ceux qui ont le ballon SK. Là, les SK ont quand même pris une belle petite fessée. Hein. Ça, c'est vraiment une bonne game. Allez, voilà, là on va remontrer un petit peu l'action d'Isos. Ah, le First Blood. Donc très bien joué, là il play le driving strike, il met les autres attaques, le back off. À ce moment-là, voilà, Aphrodite l'Asie, voilà. Je suis dans la merde, si je recule, je me prends le break. Faut que je claque la bite au bon moment. Malheureusement, elle l'a claqué au mauvais moment. Et voilà, c'est l'ultimate plus Athéna. Et là, il y a le Thor qui va arriver et qui va se faire earth break derrière et qui va donner un deuxième kill. Qui va donner avance à Divios. On l'avait dit, Divios, meilleur solo laner de la compétition, hein, pour le moment, très monde, clairement. Je pense, hein, hier, on avait dit que c'était l'inventeur de la solo lane. Ouais. C'est-à-dire... c'était moi qui avais dit ça. Donc, voilà, il a créé la solo lane. C'est... Avant, il y avait que deux lanes sur Smite. Non, mais c'était pour dire qu'il avait inventé des dieux sur la solo lane. C'est lui qui a mis Hercule, c'est lui qui a mis Osiris, c'est lui qui a mis Janus. Il impose son style. Ouais, voilà. Pourtant, il a 14 ans, 15 ans. 15 ans. Oh bah oui, mais justement, à 15 ans, il fait des conneries. Il fait attends, je vais jouer Janus. Non, ouais. On est en train d'infantiliser un adolescent de 15 ans, c'est pas bien. À 15 ans, on est plein de on ressources. On est mature, exactement. Ah oui, ouais, on est très mature à 15 ans, hein, bien sûr. Et oui. Donc, voilà. Et évite de te bousiller le. Oui, je bousille. Non, aussi, comme ça. Genre... Non, je pense que c'est pire quand il n'y a pas le papier, je t'assure. Donc voilà, on va se retrouver après la pub pour la deuxième game de cette petite finale entre les SK Gaming et les Cognitive Red, en espérant que les SK Gaming arrivent à penser à ce contre d'Hercule qu'on attend tous, qui pose des problèmes à tout le monde. Est-ce qu'on va avoir un ban Hercule? Je pense que oui. Hein. Ça le mériterait, je pense. Allez, les titans! Ah merde, non, c'est pas là. Ou pique Athéna. Je pense que prendre Athéna, c'est le combo des deux qui est vraiment compliqué. Non, je pense qu'ils vont, ils vont dire à Divios, arrête ton Hercule, tu nous fais chier, mais s'il banne pas Osiris et il banne Hercule, il va sortir Osiris et ça va être pire que tout. Allez, à tout de suite tout le monde pour la deuxième game.